Donc, on était parti chercher des médicaments pour Astrina. Donc, bon, péripatie qu'on avait déjà raconté, mais on avait fini dans un container pour se protéger des ghouls arrivés sur la rive de la rivière. Avant de pouvoir essayer de traverser le lendemain pour voir si on n'arrivait pas à trouver les médicaments que notre cher Ilana pensait pouvoir trouver de l'autre côté. Sauf que moi j'ai pas tout compris parce que pour moi bah, on était bien là dans notre petit container, mais je sais pas ce qui s'est passé. Venom a dit tout d'un coup que en fait c'était pas bien. Il y avait des ghouls qui arrivaient. Je dis bah des ghouls ici ou dehors, c'est aussi bien. Mais apparemment il a fallu partir. Bon. Ça a été vite fait. Moi, j'ai pas trop compris le plan parce que bah, partir dehors en plein air, c'était être sûr de se faire attaquer. Mais apparemment, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, on est sorti du container. Venom, notre zonard préféré, a pas fait deux pas qui s'est ramassé la gueule. Et moi, bon, je dois avouer que je me suis un peu fait aider par Ilana parce que sinon, j'aurais suivi le même chemin. Bref, on s'est fait attaquer par des ghouls, hein, j'ai pu encore démontrer mon utilité. Que certains s'en sortaient un peu mal. Et puis là, Franck est arrivé. Donc c'est Zou. Il était là, il nous suivait depuis tout ce temps. C'est bizarre. Là, ça a commencé à. Enfin, il nous a dit qu'il était venu avec deux de ses amis et que. Enfin, deux de ses amis. Trois, pardon. De ses amis qui avaient pas passé qui étaient morts dans la forêt ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas compris. Ça devait être un peu dégugus parce que nous dans la forêt on a vu personne à part des brouteurs quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, lui apparemment ils ont failli tous crever et il y avait que lui en survivant. De là s'en est suivi des discussions, mais à rallonge pour savoir si on devait qu'est-ce qu'on devait faire, est-ce qu'on devait partir, est-ce qu'on devait revenir et tout. Et l'action là, c'était fini. On a dit, on a fini par se mettre d'accord, hein, pour repartir à l'arche. Enfin non, pas repartir à l'arche. On a fini par se mettre d'accord pour aller voir le bâtiment là qu'on avait vu en venant ici, le truc où il y avait marqué enfer dessus. Ouais. Meilleure idée, bien évidemment. Et hein. Dans un bâtiment où c'est marqué enfer, allons-y. Et ça a pas loupé. À peine on est arrivé là-bas, on s'est fait attaquer par des une espèce de saloperie d'araignées géantes qui nous ont bien fait morfler, hein, surtout Cassée. Cassée, elle a pris cher, elle a failli y rester. Moi, ça va, mais j'en ai mangé un petit bout par-ci par-là, et grâce à moi, tout le monde s'en est sorti. Et bah, après, dans l'enfer, on a trouvé quelques rations, etc. Et un artefact, une espèce de machine bizarre, apparemment on peut alimenter avec du torboyau, chose qui je sais plus si on avait réussi à déterminer, mais qui permettra de couper Si, des trucs. je crois qu'on avait réussi. Voilà, bah alors, voilà, une machine des anciens temps permettrait de couper des choses assez efficacement, apparemment. Je sais pas si on va la filer à l'arche ou la garder pour nous. En tout cas, Franck l'a mis dans son sac. Donc, on prend dans son sac, moi je lui laisse, hein. Je voudrais pas l'énerver. Et puis, on est rentré à l'arche. Il me semble que c'est à peu près ça. Désolé, Des ça me bruits. perturbe beaucoup de pas avoir de musique dans les oreilles, ça me fait trop bizarre. Effectivement, vous êtes rentré à l'arche. Vous avez pu vous remettre de votre voyage, de votre expédition dans la zone. Et vous savez que demain matin va se dérouler une nouvelle assemblée, surtout suite à la rumeur de votre retour, faisant dire que
tout le monde attend le résultat de ce projet, puisque votre expédition avait été votée par l'Assemblée. Donc demain matin aura lieu une nouvelle assemblée. Pendant ce temps-là, au moins, vous êtes reposé. Alors, j'ai une nervosité. Certains pour vous remercier, en fait, de votre prise de risque. Et vu qu'il y a quand même la rumeur que vous revenez avec un certain succès, même si encore c'est encore vague. Donc certains mutants de l'Arche vous ont remercié, soit par quelques... en vous soignant, vous nourrissant. Et c'est vrai que vous... ce matin, alors que l'aube se lève, vous êtes en pleine forme. C'est une aube relativement morose, pourtant le ciel est gris. Il y a juste une légère brume qui tombe, un peu fraîche. Vous êtes au début du printemps, toujours. Et les températures peinent à remonter. Et donc, ce matin, avant l'assemblée, est-ce que vous faites quelque chose pour discuter entre vous? Est-ce que vous vous rendez sans plus attendre à l'assemblée? Bref, que faites-vous? Ben, on en fait quoi de cette tronçonneuse? Franck. On la donne. Ouais, je suis d'accord. Si on doit faire une palissade pour défendre l'arche, avec ça, ça sera fait en deux. Oui, ou même d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera utile. Oh, bah, si vous voulez, j'en ai pas l'utilité de toute façon. Oh bon? Ça, c'est bizarre. Je pensais pourtant que t'avais bien des idées derrière la tête. Ah, moi, s'il s'agit de la revendre, y a pas de souci. Ah, ouais. tu m'as fait peur. Ouais, mais bon, c'est pas moi qui l'ai dans mon sac. Si c'est moi, si je l'avais trouvé en premier, je dis pas. Mais là. Parce que si tu l'avais trouvé en premier, on n'en aurait pas entendu parler, c'est ce que t'es en train de dire? Si, bien sûr. Tôt ou tard. Et toi, cassé. J'ai pas compris à quoi servait ce truc, mais j'ai entendu dire qu'Astrina s'était réveillée. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Qui te l'a rapporté? Elle est prête à mettre, si tu veux. Le problème de Johamed, c'est vraiment qu'il a une sale tête. Moi... J'arrive pas à l'avoir toute. À la dernière réunion... Je le sens pas, moi, ce monsieur. Mais justement. J'ai bien envie de faire quelque chose tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Ah, est-ce qu'il faut que j'aille la voir avant que tu fasses quelque chose ou... Non, je ne compte pas la tuer. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas incendier le bureau. On pourrait y aller ensemble, alors. Est-ce que tu comptes l'énerver assez fort que ça soit dangereux après de... Je ne sais pas. Je n'étais pas là lors de ses derniers discours. Je ne sais pas comment il va réagir. Après, rien ne t'empêche d'essayer d'aller la voir avant. Oui, je pense que c'est peut-être une idée. Alors, ce que vous savez sur Johamed, il a une politique assez, assez simple en tant que caïd. Il prône de suivre les préceptes que vous a enseigné l'aîné. De les garder et que ceux-ci permettront de continuer à survivre comme, et que
L'autre chose que vous savez, bah c'est... C'est un, aussi que pour ça que quelquefois ses détracteurs s'en méfient. C'est sa mutation, parce que je vous rappelle, vous êtes tous des mutants. Et que. Et sa mutation, celui-ci est marionnettiste. Mmh. C'est-à-dire que vous savez qu'il est en mesure de prendre les contrôles par l'esprit. D'autres humanoïdes et en faire des marionnettes. Mmh. Ah. Donc Astonia, c'est peut-être pas réveillé. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire. Tout ce que j'ai eu, c'est des échos. Toi, effectivement, c'est ce qu'on t'a transmis. Est-ce que. Donc, que faites-vous? Attends, mais je suis pas sûr d'avoir compris. Il peut prendre le contrôle, genre il hypnotise les gens, ou il peut prendre le contrôle, genre de leur corps, même s'ils sont censés dormir ou être inconscients. Bah, toi, tu sais pas trop comment ça marche. Je sais pas. Les mutations, c'est, tu sais pas comment exactement comment ça marche. Après. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement, selon le mutant, la même mutation se décrit pas de la même manière. En tout cas, le résultat est là. C'est. Tu penserais que c'est peut-être un peu comme toi, quoi. Toi, ça te parle un peu, parce que ta mutation est psychique aussi. C'est qu'on est plutôt effectivement dans le genre de pouvoir mentaux, quoi. Alors est-ce que c'est le... J'aime pas trop que Joamed s'approche d'Astrina, elle doit être sous son joug. Ouais, ça pue. Ça pue clairement. De toute façon, on verra ça à l'assemblée, je pense. Il va encore la ramener. D'ailleurs, comptez-vous faire de votre ami? Ah oui elle est où? Elle est avec nous, notre pote Ilana? La bonne question, qu'est-ce que... Ça prend un mutant, ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait quand vous êtes rentré? Est-ce que vous l'avez confié à quelqu'un? Est-ce que... Vous l'avez gardé près de vous? Oh bah moi je pensais qu'elle aurait pu rester chez Franck, il y a de la place. Au moins pour la nuit, tu vois. Je trouve que ça serait bien à l'Assemblée de dire « Regardez, il faut sortir, on a trouvé d'autres gens. » C'est bien de trouver d'autres gens, non? C'est une bonne nouvelle. Oui. Je sais pas si ça va lui plaire à la face de crapaud, là. Ah bah, c'est pas le chef, hein, non plus. Non, mais... il va encore gueuler. Un mardi, quoi. C'est pas grave, s'il gueule. Okay. De toute façon, il a déjà gueulé deux fois. Si vous le prenez comme ça, tant mieux. C'est dans les affaires, quand tu commences à gueuler, c'est que t'es à court d'arguments. Les gens finissent par plus t'écouter, en fait. Ouais. Après, quand tu prends un coup de pelle à travers la tronche, c'est un argument qui marche aussi. Ah, un argument percutant. Oh, il nous fait de l'humour dès le matin. Ça va bien se passer. Ouais. Alors, moi, je sais pas si j'ai le temps, mais j'aurais bien échangé, mais j'avais des flûtes à champagne qui feraient du meilleur effet dans les sculptures de Pontiac. J'aurais bien échangé contre un peu de nourriture et d'eau, quoi, tu vois, tranquille. T'es sûr que tu veux pas que je fasse ça pour toi? Des objets comme ça. Attends, je confonds de personnage ou pas? Non, c'est juste Pontiac qui monte une espèce de sculpture de bric-à-brac et de broc. Mais toi, tu le hais, non? Ouais, mais j'ai d'autres contacts. Je comptais justement aller faire mes petites affaires. J'ai besoin de recharger un peu mes stocks. Mais c'est de la merde, ça. Il n'y a que lui qui est assez con pour acheter ça. Oh, c'est des cons. Non, mais je pense qu'il va me les échanger. Il m'a demandé des objets qui brillent. Ah, ouais, bah, non, mais vas-y. Sinon, il y a Sixter.
Je suis sûr que ça va lui servir. Bon, tu après, peux toujours lui proposer. C'est ce que tu veux, mais Pontiac, c'est... Sixter, c'est un combinard... Oui, mais Sixter, c'est un... Ouais, c'est un concurrent de... Mais non, mais c'est de la merde, ce que j'ai, les amis. Vous faites comme si je devais vendre un truc réellement utile, mais... Bah, ça dépend. C'est pour ça que je te parle de ce que tu sens les espèces de flûtes brillantes. Oui, mais je te rappelle qu'il y en a certains qui ont escroqué pour une vulgaire affiche. Alors, c'est une babiole. Une babiole n'est pas de la merde. Une babiole est un objet qui n'est pas un artefact. C'est-à-dire qu'en soi, l'utilité est ce que vous en faites. Or, des verres comme ça, vous n'en avez pas. De toute façon, vous n'avez pas de verre. Voilà, vous avez des bouteilles en plastique. Donc, c'est une chose rare quand même, en soi. Ça, enfin, c'est une chose intacte du temps d'avant. Vous en faites ce que vous voulez. À moins que vous vouliez les garder, évidemment. Hein. Je sais pas, Franck, si tu veux faire des réceptions. Mais bon. C'est pas dans mes projets actuellement. Tu veux avoir du standing, quoi. Tu veux un peu de standing. Attends, servir de l'eau croupie dans les flûtes à champagne, c'est la classe, quand même. Ouais. On met que dalle, en plus, dans ces verres. Ils buvaient rien, les ancêtres, là, les anciens. Il buvait rien, mais à volonté. C'est vrai. Donc, que faites-vous? Tu veux vendre tes petits trucs par tes propres moyens, c'est ça? Tu veux les vendre à Pontiac? Oui, je sais pas, les échanger à Pontiac, sauf si... Je vais appeler Fletcher veut faire mon intermédiaire, moi ça me va, mais... Il me faut de la bouffe et de l'eau, hein, je te dis de suite. Hein. De la bouffe et de l'eau. Tu vas voir Pontiac. Okay. Donc tu vas voir Pontiac avant le... Avant l'assemblée. D'accord. Les autres, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose de particulier ou pas avant l'assemblée? Vas-y. De toute façon, moi je disais que j'allais vers. Après, si tu veux faire tes affaires, ça va être un peu dans la matinée. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que je peux le faire tout de suite? Oui. Après, c'est toujours pareil. Tu me dis qu'est-ce que tu fais? Comment? J'avais trouvé. Tu dois choisir qu'est-ce que tu vends, à qui ça appartient et à qui tu vas les revendre. Moi, je veux bien de l'eau et j'ai des balles. Oui, c'est ça. Je vais chercher de l'eau. Je vais en chercher auprès de... J'étais allé chercher où déjà la dernière fois? Je me souviens plus. Ouais, l'autre fois, t'étais allé chercher de la ferraille. Non, j'étais allé chercher... J'avais 6 bouffes, je crois. J'avais réussi à avoir 6 bouffes. C'était Esther. Ah, Esther. Esther, voilà. Qui est une combinable. Voilà, Esther. Je vais aller voir ma pote Esther. Cette fois-ci, je vais lui chercher de l'eau pour vendre à tout le monde, à qui en veut. Casser, si on a besoin. Et aux autres. Ah, là, tu veux aller acheter de l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais la dernière fois, j'avais... Mais si, la dernière fois, j'avais fait avec mes petites affaires. J'étais allé voir un truc, j'avais fait mon truc petites affaires, comme ça j'avais eu le double des ressources. J'avais eu 6 bouffes. Donc tu vas voir, en gros, tu sais que, en fait, le truc, je te rappelle, tes petites affaires, tu sais que t'as un vendeur. Ouais. Je vais me définir qui c'est. Je vais me définir qui c'est l'acheteur. C'est pas tout le monde, c'est quelqu'un précis. T'as un acheteur. Toi, tu vas faire l'intermédiaire. Grâce à ça, tu vas être payé. Et quand tout se passe bien, tout se passe bien. En fait, où c'est problématique, c'est quand quelque chose se passe mal. Puisque l'un, soit le vendeur, soit l'acheteur, va t'en vouloir. Ou va te causer des problèmes, ou il va avoir un truc. Je me souviens plus comment j'avais fait ça. T'avais pas fait ça. Esther, t'étais allé la voir. Comme va aller voir... Venom va aller voir Pontiac et voilà, c'est une discussion marchandage et il va acheter. Là, c'est pas le ton
la dernière fois, tu avais acheté des... Non, c'est pas ça. J'avais acheté des merdiers à Issam, que tu avais revendu à je sais plus qui, et ça avait fonctionné, et tu avais eu de la bouffe. Ah ouais? Voilà. Mais tant que ça fonctionne, ça pose, y a pas de problème. Donc, dis-moi, qu'est-ce que... Alors, tu veux que je te rappelle toutes tes possibilités? Non, parce que je comprends rien. La dernière fois, il me semblait que j'avais rien payé, j'étais reparti avec 6 bouffes, tu vois. J'avais dit, c'est oui, cool, faut que je m'en souvienne. Tu ne payeras rien. Oui, parce que t'es intermédiaire. Tu achètes un bateau, tu revends un bateau et te payes en... D'accord. Voilà. Donc. Je t'ai jamais dit que t'allais acheter quelque chose. Tu as le choix entre échange de bouffe, c'est-à-dire que t'envoies de la bouffe d'un point à un point B, ouais. Échange d'eau, échange de matériaux de récupération ou de babioles, c'est ce que t'avais fait la dernière fois, échange de torboyaux, tenir lieu de messager ou de négociateur, et protéger quelqu'un ou quelque chose. Bon bah vas-y, Venom, donne-moi tes trucs. Ou voler quelque chose. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu comptais négocier? Ça veut dire que si ça rate, c'est moi qui vais t'en vouloir. Oui. Ouais, mais ouais. Si ça marche, c'est le double de ce que tu demandes. Donc j'en garde une partie, quoi. Bon, de toute façon, vas-y, je suis une brêle. Hein. Il va me plumer, l'auteur. De quoi? Des balles, qu'il plumer à quelqu'un qui est à côté de moi. Des balles, de la bouffe, de l'eau? Alors moi, de toute façon, j'ai plus rien à bouffer et plus rien à boire. Donc, prends ce que tu veux, fais-toi plaisir. Ok. Bon, ben, je vais prendre ces babioles. Venom, le vendeur. Comme ça, au moins, j'invente pas un truc pour rien. Et je vais aller les revendre, mais pas à cet abruti de... Ouais, je vais plutôt aller les revendre. Ah. Oh non. L'autre, elle est chez la folle, là. Et Judy, elle est elle est aussi dans un truc où je peux y accéder, ou... Il y a que Pontiac que je peux y accéder sans me faire arrêter par des méchants. De quoi? Mais tu peux aller voir tout le monde. D'accord. Eh ben, je vais voir... Tu veux aller voir qui? Je vais voir Urania. Revendre à Franck, comme ça. Ah, d'accord. Et tu veux le revendre à... Urania. Ouais, je lui fais l'article, tu vois, c'est quand même du verre. C'est un matériau assez rare, tu vois. Ah, la dernière fois, c'est ça que t'avais fait. T'avais acheté à Issam et t'avais vendu à Judy. Et t'avais pas refilé ta merde d'affiche aussi, là? Non, si, c'est pas ça. Non, mais ça, c'est autre chose. Si, c'est d'ailleurs, c'est autre chose. Donc voilà, ok. Bon, normalement, c'est pas trop vrai, mais ça marche. Ok, tu vas lancer. Il va y arriver un jour. Parce qu'en fait, en gros, toi, tu sais que... Ben, tu l'as, hein, oui. le texte en entier, hein, t'as qu'à... Il y a un PJ acheteur et un PJ vendeur, ça marche pas, quoi. Bah, sinon, normalement, son salaire, il est généré par nous. Parce que du coup, on récupère les verres, c'est ça, on les à Franck si tu les prends de moi, tu les vends à Franck et tu gagnes de la bouffe. Non, mais normalement, c'est pas ça, c'est des affaires. C'est-à-dire qu'ils vendent pas un objet en particulier, c'est plein de babioles. Mais oui, c'est là, ça. Ça déforme un peu le truc, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Sinon, c'est bizarre, quoi. Sinon, c'est nous qui devons donner le salaire gros, à Fletcher. Tu racontes grosso modo un marché que t'as fait fictif. Et si ça se passe bien, ça se passe bien. Et ça se passe comme tu le veux. Tes affaires, t'as fait ton business, et voilà. Okay, t'as magouillé et tu racontes ta magouille. Comme Venom avait un truc avant, je me suis dit, autant et le quand faire, ça se passe mal, voilà. Bah, si ça se passe ça mal. Ça va se passer mal encore, je sens mal. Vas-y. Putain. Ça va bien se passer, tout va bien se passer. Moi ça. Oh mon Dieu. Oui. Tu pousses? Ah oui. Très bien. Joli poussé. Pourtant c'était compliqué. Hein, la négociation. Urania. Tu savais qu'elle serait intéressée par ce genre d'objet, pour ça que tu allais la voir. Ouais. Justement, tu sais. Mais bon, la discussion a été âpre. Parce que tu arrivais à...
Bon, t'as sans doute eu d'autres babioles, hein, parce qu'on est d'accord, vu le salaire que t'as te fourgué, c'est pas qu'avec les quatre flûtes. Il y avait dedans les quatre flûtes à Venom, on est d'accord, mais il y avait peut-être d'autres babioles. Peut-être que t'avais depuis déjà la dernière fois ton dernier deal avec Issam, qui restait peut-être sous la main. Donc, parce que voilà, tu vas gagner un décibel, un décibel ration de bouffe, ou 2d6 ration d'eau, ou 2d6 ration de torboyau, ou vous apprenez un secret gênant sur quelqu'un. Donc, sachant que t'as le double. Et donc, c'est, je choisis un des quatre trucs là. Hein. Ouais. Baf, balle, bouffe, eau, torboyau, information. Je vais prendre de l'eau. Et du coup, c'est 4d6 ? C'était marqué quoi, ton talent ? Bah que... Non, c'est double. Ouais. Donc tu lances 2d6, 2d6 et on va faire x2. Ah d'accord. Ouais. Fais pas 1. Bah fais pas 2-1. Ouais. Bah t'as fait 9, donc t'en as 10, t'as 18 flottes. Ok. Cool. Ok, ok. Bon, pas de soif dans l'immédiat. Donc on est bien d'accord, effectivement, c'est beaucoup plus de babioles. Hein. Alors je reviens péniblement. Tu peux faire 24. Non, je reviens péniblement parce que j'ai du mal à les porter. Hein. Et je te donne. Voyons voir pour que j'arrive à mon encombrement. Là, je suis encombré. En tout cas, toute cette petite affaire va durer quand même quelques heures, donc entre temps. Pour... Va se passer le comment l'assemblée encore une fois devant le globe, le grand globe de l'aîné, lieu unique. Le soleil pointe, l'ombre de ce globe s'étend devant la population un peu moins nombreuse. Un tout petit peu chaque fois, puisque on déplore quelques morts lors de votre expédition. Et puis un mort supplémentaire que vous avez appris, quelqu'un qui est un certain chakram, hein, qui est mort de faim. Je vous invite à, si vous voulez agir, vous, vos personnages, ben, d'agir. Et après, on fera un peu, suite à ça, le débat de la population. Voilà. Donc, que faites-vous, vous, personne. J'attends de voir quand même si les autres font quelque chose, et sinon j'y vais, moi. Bah, non, dans l'immédiat, ça bouge pas trop. Bah, je vais me mettre devant. Ce que je vois, quand même, c'est que Johamed est là. À côté de lui se tient comment s'appelle Astrina. Elle est toujours à côté de lui. Elle un peu le regarde un peu fatigué, mais elle a l'air consciente quoi. Elle a pas l'air complètement zombifiée maintenant que vous la voyez. Elle a l'air quand même assez, toujours fatiguée. Vous... Vera est là. Vera est dans l'assemblée. Et voilà. Enfin, à peu près tout le monde est là. On va dire les seuls gens qui ne sont pas là. Vous ne voyez toujours pas Kara. Bien sûr, avant de venir, je suis allé chercher, vu que je fais hôtellerie maintenant. Merde, comment elle s'appelle Ilana. Ilana. J'ai hébergé, du coup. D'accord. Ilana est avec toi. Très bien. Donc, au contraire, ben non. Les gens ne réagissent pas, mais il y a beaucoup de regards qui se tournent
vers toi, et enfin vers vous, et entre autres Ilana, puisqu'effectivement, la personne, eh bien, personne ne la connaît. Et tout le monde voit que c'est une nouvelle tête, et c'est pas commun. Mais bon, elle est avec un caïd, alors, dans les médias, tout le monde la ferme. Et du coup, les trois, et les trois autres sont ici, quand même. Ils sont pas en train de faire des affaires. Sont avec, non, ils sont avec toi, ouais. Ah non, on va l'assembler, attends. Vous pourriez être plus intéressé par les flûtes de champagne. Ah non, mais moi, si tu veux, il y a Fletcher qui m'a donné... Oh. Franchement, j'aurais plus jamais d'affaires sans lui, quoi. Là, je... Moi, je m'attendais à trouver une bouffe, un truc comme ça, et là... Là, c'est clair, hein. C'est clair que t'as jamais vu, t'as jamais vendu aussi cher des babioles. Hein. Non, c'est mais rentable. Le mec est talentueux, quoi. C'est le Jérôme Carviel du post-apo, je passerai toujours par lui, quoi. Wow. Ah bah... J'arrive à l'assemblée, je suis au taquet, quoi. Je suis là, wow. Je l'ai toujours dit, si t'as besoin d'un combinard, faut venir me voir. C'est ma tournée. Ouais, carrément, là. Bah du coup, oui, si personne ne bouge, bah, je vais m'avancer, je sais pas, sur l'estrade, je sais plus ce qu'on avait dit qu'il y avait au... Oui, centre. Oui, c'est ça, il y a une espèce de plateforme qui a été aménagée. Ouais, là où ils faisaient les spectacles. Les gens qui là-bas. Veulent parler, parlent. L'ancien temps. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, il y avait des gens qui faisaient semblant de se battre. Peut-être qu'on dit que dans l'ancien temps, un homme avec une cape noire et un masque à gaz venait s'adresser à la population. Non, de Dieu. Si même. Ils sont fantastiques! Ces anciens faisaient peur. Donc, forcément, tout le monde te regarde, surtout si t'as Ilana à côté de toi. Voilà, oui, c'est... j'ai Ilana aussi à côté de moi, bien sûr. Bon, j'ai très certainement un sac à dos avec un morceau de métal qui dépasse, là, avec des chaînes. Parce que, bon, une tronçonneuse dans un sac à dos, ça prend quand même un peu de place. Mais je ne la montre pas pour l'instant. Bon, après, tu pourrais l'avoir enveloppée dans une bâche ou un truc. Oh, mais qui c'est celle-là? On ne reconnaît pas! Non. Bah, c'est vrai qu'il y a des regards sombres en direction d'Ilana. J'entends ça rire. Pourquoi de quel côté la bouche ouverte à la fin de gens divers et variés. Bah du coup, je vais me lancer. Hein, à un moment donné, je vais finir par me lancer. Il m'est parvenu à mes oreilles qu'il y a certains d'entre vous qui sont assez réticents à l'envoi d'expéditions dans la zone. Et bah, aussi étrange que ça puisse paraître pour certains, bah, je suis d'accord aussi avec cette idée. La zone est terrifiante. Elle est inhospitalière. Et je sais de quoi je parle. Pour la raison pour laquelle je n'étais pas là lors du dernier rassemblement, c'est parce que j'ai fait partie du sauvetage de Astrina. Et ce sauvetage, comme vous le savez tous, a bien failli coûter la vie à certains d'entre nous. Et en disant ça, je regarde mes compagnons qui m'ont accompagné lors de ce sauvetage. Salut. Et oui, la zone peut tuer, et elle le fait très bien. Mais pour autant, est-ce qu'on devrait en avoir peur? La mort est pourtant bien présente ici, au sein même de l'Arche. Des mutants meurent tous les jours, de faim, de soif, et bientôt même de maladie. Et je regarde Astrina en disant ça. Et donc on peut dire bien aussi que l'Arche peut tuer tout autant que la zone. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se laisser mourir à petit feu, au sein de ce mur, dans notre petit confort? Ou est-ce qu'on essaye de se battre pour changer ça? Pour ma part, le choix est fait. J'ai décidé de me battre contre la zone, contre les monstres, contre tout ce qui se mettra sur notre chemin. Pour que cette arche, qui nous est si chère, puisse enfin nous permettre de reprendre le contrôle sur ces terres. Je ne suis pas le seul à avoir fait ce choix. Bien d'autres que nous ont décidé d'affronter la zone. Certains y vont tous les jours, braver ses dangers. Certains y vont plus ou moins de façon prudente. Mais tout le monde y va. Il y a eu une noble quête qui a été lancée il y a quelques jours. Cette quête était destinée à aller sauver, et je montre de nouveau Astrina, cette chroniqueuse, des amis à elle, ont décidé de leur propre intérêt d'aller chercher des médicaments pour soigner leur ami.
cette quête a malheureusement, un peu dévié suite à certains accrochages de la zone, encore une fois. Mais grâce à la vélocité d'un certain Zonar, et je montre Venom, et grâce à la détermination, grâce à la détermination de, et je montre Fletcher à son tour, d'un de ses camarades, nous avons pu quand même ramener quelque chose. Et là, je sors la tronçonneuse et je la monte à tout. Il y a quelques applaudissements pour Fletcher. Pour Venom. Et puis, pour Fletcher, il y a quelques applaudissements. Et puis, il y a certains... Ouh, ça doit être le truc qu'il a arnaqué déjà. C'est... Ouh, merci, c'est-à-dire que... Si t'avais eu du carburant pour la démarrer à ce moment-là, là, ça aurait été... Ça aurait pété la classe. Ça aurait été magnifique, c'est vrai, mais j'en ai pas. Et donc, en brandissant... Ah, il est peut-être morte et tout, ça aurait été... On s'y connaît pas assez. Pour l'instant, c'est beau. Pour l'instant, c'est beau. Et donc, en continuant à brandir la tronçonneuse, je continue. Voilà. Voilà pourquoi il faut que l'on se batte. Voilà pourquoi il faut que l'on affronte la zone. Les artefacts des anciens. C'est grâce à ça que nous arriverons à sortir de la noirceur qui actuellement enveloppe notre arche. Bon. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Tu vois, j'essaye de jouer avec, je tire sur la corde, je bouge un peu la chaîne. Mais c'est déjà un plus. Et c'est pourquoi je vais la confier au sanctuaire du renouveau pour que l'arche et vous tous puissiez en profiter. Donc je sais pas, il doit y avoir Il y a plusieurs qui applaudissent. C'est une bonne chose. Il doit forcément y avoir un responsable. Et je vais le donner à un responsable. Il y a des chroniqueurs qui s'occupent du sanctuaire qui viennent et te remercient. Ouais, c'est un acte juste. Nous allons étudier avec attention cet objet de l'ancien temps et je ne suis sûr que il va nous permettre de... mais bien de progresser dans nos connaissances. Ouais, certes, si c'est vrai que si cet objet pouvait être anodin pour des anciens, eh bien ça reste un moteur. Et voilà, ça reste c'est un moteur. Il est vrai que et donc l'étude qui s'en surviendra sera surprenante. On découvrira de nombreuses choses grâce à cet objet, entre autres sans doute sur le moteur thermique et autres choses, et sur comment on fait. Peut-être aussi comment pensaient un peu les anciens quand ils concevaient des objets. Toujours est-il qu'à votre grand étonnement, et vu qu'on a déjà lancé le dé, effectivement, votre arche va augmenter de 6 points en technologie rien qu'avec cette tronçonneuse. Ce qui est un peu, pour une tronçonneuse, c'est énorme. Mais il faut dire que vous étiez vraiment bas. Donc vous avez 8 en technologie. C'est vrai que si on l'avait trouvé à la fin, quand l'arche était super développée et qu'on connaissait déjà le moteur, ça aurait fait bon, tronçonneuse, ouais. Et on est passé de 2 à 8, multiplié par 4 notre niveau technologique grâce à la tronçonneuse. Voilà. Ça vous aidera pas forcément. Après, le niveau technologique, je vous rappelle, dans le mode de jeu, ça permet de, quand vous trouvez des artefacts, s'il est suffisamment haut, vous comment ? Vous n'avez pas besoin de jet, en fait, vous découvrez tout, vous savez tout de suite comment ça fonctionne. Qu'est-ce que pendant ce. Attends, j'ai pas fini. Ah oui, pour un long discours, vas-y, attends. Pendant ce discours, j'ai envie de dire que les autres, que faites-vous ? Je vais vous contenter de regarder le discours, lever les bras et l'applaudir gaiement, ou faites-vous autre chose ? Faut dire que, au-delà de ça, pour vous dire la situation, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui sont relativement absorbés par les propos de Franck. Est-ce qu'il y a Astrina On voit Astrina dans l'ensemble. Oui, Astrina, comme j'ai dit, elle est pas à côté, mais elle est non loin de Johanen. Et.
Elle a l'air assez pâle et plutôt fatiguée. Enfin, elle a vraiment un air très fatigué. Après, vu sa mutation, c'est assez dur d'en savoir plus. Je vous rappelle que c'est une femme plante. Et donc, et elle a... Bah, j'ai de quoi l'arroser, moi. Voilà. Mais oui, c'est la femme de... Donc, c'est une effectivement, femme. Effectivement, elle est un peu pâle. Alors là, non, c'est quand elle va bien. La mettre dans un placard avec des lampes à sodium, à mon avis. Là, c'est quand elle va bien. Non, mais elle a l'air d'avoir des cernes. Non, mais je voudrais savoir si elle... Cernes, et vous voyez, clairement, elle est appuyée un peu contre un mur. Bah, donc, du coup, pendant le discours de Franck, je vais essayer d'aller voir si elle est elle-même, quoi, si... Tu vois ? D'accord. Moi aussi, je vais la voir. C'est le premier truc... Enfin, je la vois, et genre, je me dirige vers elle. Ah, toi, tu la caches. Bah, de toute façon... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison, quoi. Après, si on essaie d'être discret, au moment où Franck dit « Venom !» Et là, tout le monde se tourne vers où t'étais au début. Ah, il est là. La main dans le confiture. Pareil. Je les suis. Juste genre okay. Observateur, tu vois. Alors, on va laisser... Cassée, je suppose que tu vas t'adresser à elle. De toute manière. Ouais, moi j'y vais. Si la cache, je suppose qu'à un moment, tu vas lui parler. Oui, enfin, je vais la prendre dans mes bras. Alors, je vais... On va continuer. On va finir le discours à notre cher Franck. Franck, on verra ça après. Ah bah après, il est quasiment fini. Mais bref, donc après avoir confié la tronçonneuse, je reviens sur la scène et je continue. Du coup, et ce n'est pas fini. Nous ne revenons pas qu'avec cet artefact. Nous avons également trouvé un autre compagnon mutant qui vient d'une autre arche. Et là, du coup, je présente Ilana. Oh, on n'est pas seul. Mais c'est fou. C'est là que tu vas me faire un test. Tam, tam, tam. Qui fait un test? Moi? Ben oui. Tu vas me faire un test de manipulation. Pourquoi? Pourquoi pas? Ah voilà. On va voir si t'es lynché tout de suite ou un peu plus tard. Mais je cherche à comprendre pourquoi manipulation. Parce que c'est la c'est... Alors c'est... Manipulation, c'est aussi... quand t'essayes de faire un discours, ça va être aussi... savoir si les gens vont dans ton sens, si tu arrives à les persuader, puisque le but de ton discours, c'est que les gens vont dans ton sens et te persuadent. C'est une forme de manipulation. La manipulation n'est pas que du mensonge en soi. Dans mentir, convaincre, il y a convaincre. Un sage m'a dit ça une fois. C'est ça. Mais je mens pas. Non. Non. Mais dans mentir, convaincre, il y a convaincre. Merde. Pour manipuler. J'ai vu ça. Ah ben... Je m'attendais à une autre. Alors, pas pour la tronçonneuse, mais en fait, effectivement, quand tu présentes une étrangère... Est-ce que... Une étrangère ? T'es amené ça, est-ce que c'est... Parce que t'arrives, en fait, dans ton discours, à amener en disant « Oui, c'est une bonne chose, parce que toi, t'essayes d'amener, hein. » Bien d'accord. Ou alors, est-ce que les gens, en plus, le prendre, c'est pas une bonne chose. C'est une nouveauté, c'est une étrangeté. Je vous rappelle quand même que vous n'êtes pas dans une arche où tout va bien. C'est plutôt la mouise et tout le monde crève. Voilà. Oh bah je pousse. Vas-y, pousse. Eh bah tu as bien raison. Bah dis-moi un peu comment tu... ça. Parce que normalement, lors de ton discours, au début, on va. Bah, voilà. Comment tu décris que tu pousses en fait. C'est-à-dire, tu décris ton. Premier jet, ton discours, hein, et puis évidemment, comment t'arrives à... Comment dire... Si,
je sais à la rigueur. Quand je vois, comme tu disais, que très certainement certains avaient un regard suspicieux, peut-être atterré pour certains. On n'a déjà pas assez à manger pour nous. Ah oui, exactement. Virez les étrangers. Il en a tué trois, on en prend un, c'est bien. Nous, à l'immigration de masse. Je vais raconter tout ce qu'elle a fait pour nous durant le séjour à l'extérieur, parce qu'elle a quand même sauvé Fletcher. Elle nous a quand même aidé à rapporter l'artefact. Elle était avec nous contre les araignées. Donc, je vais appuyer là-dessus, je vais réciter le récit de nos aventures. Ah ouais. Ah, y en a qui se retournent. Elle a aidé des gens de chez nous quand même. Ouais. C'est vrai que bon, il y a des discours qui sont qui passent un peu mieux. Bon, il reste des gens méfiants sur la masse, mais la grande majorité ont l'air de dire rien, c'est une bonne chose. Mais voilà, dans la majorité, ça a l'air quand même une bonne chose. L'information a l'air de bien passer, c'est ce que je comprends. Voilà, dans l'ensemble, déjà personne ne lui a lancé de pierre ou autre objet plus dangereux. Et voilà. Alors que Franck décrit un peu aux aventures pour persuader tout le monde. C'est vrai que vous-même, vous connaissez un peu tout ceci. Vous êtes sans doute moins absorbé. Cassé, t'arrives devant Astrida. Oui, je vais pour la prendre dans mes bras. Comme une brute d'abord et ensuite délicatement, en me souvenant qu'elle est blessée quand même. J'essaie de lui parler. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu la prends, en fait, tu la saisis comme une brute déjà. Et puis même après, en fait, tu vois qu'elle a l'air très tendue, très très stressée. Et sur le coup, elle écarquille un peu les yeux. Et puis finalement, elle se contente de dire mais qui êtes-vous? Ah, ça fait mal, ça, par contre. Et puis, Et c'est vrai que... Elle te regarde, je suis un peu... Depuis mon réveil, je suis un peu perdu. Je me souviens pas tout. Je m'excuse. En fait, tu te rends compte qu'apparemment... Oui, je vois, t'as pris un coup sur la tête. Elle a pris un gros coup sur la tête. Oh, on était en colocation, on habitait ensemble. On est très proches. On s'entraide beaucoup. Vous êtes là ou j'ai planté? Non, elle a l'air très pensive. Bien, les chroniqueurs m'ont dit que peut-être que les choses me reviendraient petit à petit si j'étais dans un environnement de manière connue. Je comprends pas. Depuis, je suis avec Johamed. Apparemment, c'est lui qui m'a soigné, qui a trouvé le moyen de me réveiller. On était... J'ignore ce que Johamed a fait, mais nous, on était partis pour te chercher des médicaments. Johamed s'avance forcément. Je vois que ça fait du bien que vous retrouviez les gens. Astrina... cassé quand même, c'était inséparable. Je suis ravi que
vous soyez revenu sain et sauf, cassé. Vous allez pouvoir prendre soin d'Astrina. J'ai fait de mon mieux en votre absence. Bonjour, monsieur. Merci, merci de nous être venu en aide. Mais de rien, de rien, de rien. C'est normal, c'est le devoir, vous savez, de gens comme moi. Il redresse un peu la tête alors que Franck fait son discours. D'autres préfèrent, pour le bien de tous, bien évidemment, s'absenter, partir à l'aventure et revenir avec des étrangers. Moi, je prends soin des gens qui sont ici, de ceux avec qui on est depuis tout. Les gens à qui on tient. Mais ne parlons pas de moi. Je suis ravi que vous ayez retrouvé votre ami. Jusqu'ici, je l'hébergeais, mais si vous voulez en prendre soin, maintenant que vous l'avez retrouvé, elle peut rentrer chez elle, bien évidemment. À moins que... Enfin, libre à vous, Astrina, de choisir. Astrina, sur le coup, tu vois, elle est un peu perdue. Hein. Te regarde. Puis elle regarde Johamed. Bon, elle a l'air, de toute façon, clairement, un peu déboussolée. Johamed, il met profondément mal à l'aise et je fais tout pour éviter discrètement le eye contact. Je prends un peu la main d'Astrina et je dis je suis très contente de voir que tu es là. Merci, merci beaucoup Johamed. Astrina, il y a la maison qui t'attend si tu veux, mais si tu te sens encore un petit peu fragile, fais ce que ta santé te dicte. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est le légume maintenant, quand même. T'essayes en quelque sorte. Est-ce que tu essayes de l'influencer quand même vis-à-vis de sa corde sensible ou indirectement ou non? Ah, est-ce que j'essaye un point de mutation pour... tu peux. Moi, j'allais te demander simplement si t'essayais de l'influencer un peu en jouant sur sa corde sensible. Ce qui, à ce moment-là, je te demanderais un test de manipulation. Ou après, tu peux utiliser ta mutation. Ça, c'est autre chose. Ta mutation, ça fonctionne, forcément. Non, je disais ça sincèrement comme tu te sens bien, ce qui est important, c'est toi. Et puis j'ai un petit peu peur de Johamed, alors j'oserais pas, enfin, devant lui. J'ai un peu peur de Johamed. Ouais, quand même, je suis à pas loin, un portrait, et j'observe attentivement Astrina. Voir si. Est-ce que j'arriverai à voir si elle est normale ou si il y a quelque chose, si elle est manipulée justement ou... Alors, elle a l'air complètement déphasée, ça c'est clair. Tu pourrais te dire qu'éventuellement elle est droguée, ça pourrait te venir à l'idée. Maintenant, est-ce que c'est sa mutation? Non. C'est un marionnettiste, certes, mais... Il peut faire agir sur un court instant les personnes, il peut pas les manipuler pendant des heures, quoi. D'accord, ouais, ça a pas l'air louche, elle a pas l'air d'être... Non. En plus, t'entends les propos, en fait, elle a l'air vraiment amnésique, en fait. Ok. Après, vous pouvez vous poser la question comment il l'a réveillée, puisque... Oui, ça... Elle maintient aussi comment elle l'a réveillée, mais... Ça, c'est bizarre, elle était proche de la mort... On nous avait dit. En médicament, elle allait pas s'en sortir.
C'est ça. Elle a pas retrouvé la mémoire. À moins de... Non. Pas les... Après, c'est assez récent qu'elle s'est réveillée, hein, puisque ça fait 2 jours. Attends. Et de toi, Venom, qui est dans les environs, est-ce que toi, tu interviens ou est-ce que tu fais quelque chose? Bah moi, j'avais l'intention de faire tout ça, mais en moins fort. Alors là, maintenant qu'ils ont fait tout ça, c'est plus trop quoi faire. Ben, on sait pas qui l'a soigné, Astrena, là, dans cette affaire. Ben, après, vous savez qu'il y avait des chroniqueurs qui s'en occupaient, hein. Vous pouvez aller interroger les chroniqueurs en question. Ouais. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est possible. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais aller voir un des chroniqueurs, je sais pas, qui est proche, et je voudrais savoir comment ils l'ont soigné, vu qu'a priori, elle était entre la vie et la mort, là. Donc, je vais voir, je sais pas qui c'est qui est avec Ahmed. Un chroniqueur. Tu peux aller voir un chroniqueur, je vais te trouver un chroniqueur. Y a-t-il un chroniqueur dans la salle? On n'est pas dans une salle, merde. Il y en a un avec une tronçonneuse dans les mains, si tu veux. Il y a Uno. Ah, il a dit Uno. Je ouais. Pas Uno, c'est un chroniqueur. Et celui-ci est donc ben je le... Que tu peux aller... En ce temps-là, il y a Franck qui parle en fond, il faut quand même... On manque totalement de respect, c'est assez horrible. Surtout que parfois je vous montre du doigt et vous embrattez. Ouais. Oui. Et là je tourne vite fait, je fais ouais, carrément. Et au fait, Uno... Non mais, franchement, quand on a ramené Astrena, j'avais l'impression qu'elle allait claquer, quoi, d'une heure à l'autre. Et là, vous nous la sauvez. C'est... Bon, c'est pas mon truc, hein, mais comment vous avez fait, bordel? Eh bien... Je vous avoue que... D'après les dires de Johamet, c'est la sagesse de l'aîné qui l'aurait sauvé. Il nous a demandé... rester un instant avec elle. Bon, après, on n'a pas de raison de refuser spécialement. Il faut dire que... Enfin, je t'avouerai que la présence de deux fracasseurs avec lui ont fait que... ça nous a persuadé... Vous avez pas protesté, quoi. J'imagine bien. Simplement, et le résultat est là... Il est rentré. Il avait. Je me rappelle qu'il tenait une petite boîte en métal. Il est rentré. Enfin, il est passé derrière le rideau, hein, où se trouvait Astrena. Et tout à coup, on a entendu une grande respiration. Et quelques secondes plus tard, il nous a appelé et Astrena était debout avec lui. Ok. Un peu complètement déphasé. Ouais. D'accord. 2 minutes avec une boîte en métal. Il a prétendu que c'était le miracle de l'aîné. Je n'en doute pas, hein, que l'aîné lui a peut-être enseigné des choses que j'ignore. Je trouvais étrange. Après, par le passé, Ahmed était chroniqueur. Hein. Également, il a eu pas mal de connaissances. Il a préféré se diriger vers le pouvoir, ou du moins d'après lui. Il voudrait... moins remplacer l'aîné pendant sa convalescence. Enfin, lui-même dit secondé, pardon. Utilisons le terme qu'il emploie. Ok. Mais il y a un problème, hein, enfin. Après, on a sculpté Astrena.
certes, a quelques problèmes, on va dire, de mémoire, mais à part ça, sa santé est plutôt bonne. Ouais, je vois ça. Avec une boîte et 2 minutes. Bon, très bien. Ah, après, je ne sais. J'ai vu qu'il avait cette boîte dans sa main, mais son retour, il a toujours la boîte dans sa main. Je veux dire, il n'a pas. Il l'a utilisé d'une manière ou d'une autre. Je ne l'ai pas vu manipuler cette boîte. Oui. Bon, c'est déjà qu'il n'a pas mis dedans Astrina. Ouais, bon, bah, je vais lui en parler. Peut-être après l'assemblée, parce que bon. Eh ben, je salue Uno. Uno se contente de hausser les épaules en disant. Je voudrais pas te décourager, mais. On lui a posé plusieurs fois la question nous-mêmes de comment il avait fait, et il a refusé de nous dire quoi que ce soit. Ouais. J'arriverai peut-être pas à le convaincre, c'est vrai que c'est pas ma spécialité. Mais bon, j'essaierai. Putain, j'avais un truc à dire, mais je suis complètement zappé, tu vois. Ça me rend dingue. Ah oui, les gars, si vous partez dans la zone, partez avec moi, vous avez vu? Ils reviennent vivants, ceux qui partent avec moi. C'est Uno, ça? C'est Uno. Ouais. Incroyable. Quand tu feras gaffe, Uno, t'as un truc, là, dans ta deuxième narine. C'est mes yeux. Et je trouve qu'il a vraiment l'air sympathique. Il a un air sympathique, d'accord. On dirait qu'il sourit. Uno, nouveau PNJ, a un air sympathique. Commentaire, air sympathique. Mais qu'il air sympathique. Décidé, quoi. Donc il va bientôt mourir, allez. Uno, très bien. Bah donc voilà, je suis passé voir Fletcher et Cassé dans la foule et je leur transmets vite fait l'info tout en écoutant Franck conquérir les cœurs. Franck a fini son discours hein, quand même. Il peut quitter l'esplanade. Johamed n'interviendra pas, laissant le dernier mot à Franck. Une autre interviendra. Vera arrivera. Elle arrivera pas seule sur l'esplanade, elle arrivera avec quatre membres de son gang. Eh bien, merci. Je remercie Franck. Je tenais à dire quand même que j'étais la première surprise. Voir. Cette étrangère venir. Mais à savoir que je suis ravi. Ça nous montre que nous pouvons apparemment avoir des alliés. Des alliés contre tous les dangers que nous a parlé Franck. Il est grand temps. Grand temps de. Sans vouloir vous influencer sur futurs projets. S'il est important de se nourrir, il est peut-être maintenant important également d'envisager. De se défendre et de s'armer. Le danger est proche, si elle-même est sympathique et nous a aidés. Est-ce que les suivants seront tout aussi aimables? J'en doute. Ne prenez pas tous les étrangers pour des amis. Cela serait très très dangereux pour nous à l'avenir. C'était juste ce petit mot que je voulais rajouter. Cela dit, vu que Franck, tu as
tu avais réussi un peu à persuader la foule. Elle n'a pas vraiment de succès sur ses petits mots. Mais elle s'en va avec un grand sourire. Et elle te lance un grand, grand sourire dans ta direction, Franck, en faisant ce petit geste. Et elle s'éloigne. Ceci dit, Uno, on va dire, Uno, le chroniqueur, vient à son tour. Il est temps maintenant de décider de la manière où nous allons exploiter notre avenir et développer notre arche, à quels travaux nous allons nous investir. Je vous rappelle que si nous avons déjà préparé quelques outils pour la chasse, et que quelques-uns d'entre vous ont été formés, il reste encore du travail afin que la chasse devienne d'une certaine manière une ressource pérenne pour notre arche. Nous avons tout juste débuté l'idée d'assécher la partie nord-est de notre arche afin d'y faire des cultures, mais cela a été un peu abandonné dernièrement. C'est vrai qu'il y a d'autres projets bien entendu possibles, et comme une autre expédition, comme de la défense ou même un temple. Bref, il est temps au peuple de parler. Et donc, je vous laisse débattre. Qu'est-ce que vous allez faire? Même plus, c'est peut-être évident maintenant. On va peut-être finir la chasse, de toute façon. Hein. Ouais, je sais. En plus, je sais où il y a des bonnes bestioles. Après, à savoir que la chasse, c'est juste... Bon, alors que... Dans votre débat, c'est plus quel est le deuxième projet, puisque après, à savoir si vous pouvez avoir que la chasse, si vous votez que pour la chasse, vous pourrez vous impliquer que dans la chasse. Ah, il ne manque qu'un succès, deux succès pour la chasse. C'est pour ça. Mais après, est-ce que, voilà, c'est... Le problème, c'est que... Vous pouvez aller, par exemple, tous les quatre à la chasse, hein, et puis, bon, on risque... Ça augmente la certitude que le projet finisse, mais... Donc vous pouvez faire une arène de combat, du bétail, du cannibalisme, la défense... des défenses. Cette la défense, c'est pas mal aussi, mais... Des groupes de chasseurs, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, des marchés aux esclaves, un temple et des terres agricoles. Les terres agricoles, vous aviez commencé également. On avait un succès, juste. Sur les 12 demandés. Ben oui, les terres agricoles, par contre, c'est long, effectivement. C'est un projet à très long terme. Moi, je suis d'accord pour la défense, parce que en vrai, ce serait assez RP aussi. Ouais, vu qu'on sait qu'il y a d'autres personnes, c'est vrai que j'avais pensé à ça aussi. Mais bon. Ouais, de toute façon, on peut mettre ça en branle, mais si ça empêche pas de finir la chasse, on est d'accord. Non. Ouais. En fait, vous pouvez dire que vous avez metté deux projets en route. Après, ça sera à vous de déterminer sur lesquels vos personnages vont travailler, s'ils y vont travailler. Sans, si personne va travailler sur rien, ça avance pas. Donc, je pense qu'on finit la chasse et on met la défense en route. Je suis d'accord. Ouais, ouais, voilà. Ils ont raison là-bas, sur notre tribune. Pour le nouveau projet, moi, je vote pour la défense. Et donc, défense, Kelkrid, enfin, Franck. Pas pour la défense. Deux pour défense. Pour les autres.
Bah du coup nous on dit chasse. Enfin moi je dis chasse. Allez. Chasse. Et donc casser, oui, chasse. C'est et, ça, oui. Et défense, ça change. Donc vous pariez, enfin vous êtes d'accord en tout cas que vous partiriez sur défense et chasse. Ah, finalement, peut-être que le discours de Vera a eu son influence sur un certain nombre de gens de la population.